Ah putain, je regardais le chat. Je regardais le chat. Voilà, c'est la fantasy gougouille. Il bondit et mange plein de pasta, c'est notre ami. Quoi? Je propose un rap battle pour vous départager. Battle trop bien comme ça. On n'a pas raison selon nos arguments, mais selon notre... ça a l'air bien. Et voilà. Ça c'est parce que j'ai trop marché dans le sol imbibé de fluide rouge. L'opération sabotage fonctionne à la perfection. Allô. Le courant dans ma résidence me vient. Ah, Millet. Ah, c'est pas de bol ça. Eh bien, t'as plus qu'à aller trouver un puits et à aller pomper l'eau pour ramener dans un seau chez toi et espérer avoir de quoi boire pendant assez longtemps. Flotte pour mine. La moitié. C'est vrai que tu peux acheter des bouteilles d'eau aussi. Ça peut peut-être être plus pratique que d'aller chercher un puits. Mais c'est plus cher. Ah, c'est le clan du chat en rose, hein. Attention. Faut pas les embêter, sinon ils vont faire un groupe pour nous taquiner. Deltifa, il a aucune dignité. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Vlad. Espérons que ça dure pas 2 mois. Ouais, 2 mois ce serait vraiment hyper chiant, je pense. Zéro fast rat. Ah là là, c'est dégueulasse. Ouais, Millet, il est vert. Il est vert parce qu'il a plus d'eau chez lui. Moi je me serais mis en bleu, peut-être que ça aurait allégé ta soif. OMG, c'est horrible. Et... voilà. Comme quoi, vous voyez que vous mentez, je fais des fast rats. Oh là là, quelle bande de menteurs, ce Vlad et Zibibi. Alors, on pense à regarder l'ennemi qui est là.
Elle est niquée là, voilà. Hop. Je suis nouveau sur Twitch. À toute Farazil. Ouais, bon déménagement. Du coup. Ouais Vlad, ça parle trop mal. On parle bien des gens qui sont en bleu, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Millet qui découvre des strats. Ces gens jaloux parce que le bleu c'est un peu la meilleure couleur qui existe. Des os, pas des os. Là, on peut faire ça. Ah ouais, mais alors du coup, y a ce mur là, du coup, à chaque fois on se fait avoir. C'est un piège. Hop. Alors, c'est pas très rapide tout ça, mais bon. C'est pas grave. On va dire que c'est pour le bien de l'achievement. Ah, c'est pas des fast traps, c'est juste une. Millie qui va sub 40. Eh ben go go go. Hop, on attend bien d'être posé dessus avant de tirer dessus, on prend pas de risque. Voilà. Alors je sais qu'il y a moyen d'enchaîner les deux derniers jets que j'ai fait là. Sans avoir à s'arrêter et... Mais je sais pas vraiment exactement comment ça marche. Pas mal de qui je veux. J'aimerais bien, mais faut que je me lève tôt demain. Bah, c'est bon, Millet, il est que 17h09. Hein. Ah, qu'il est que 17h09, Millet. Du coup, t'as combien d'heures de décalage horaire hein? Il est quelle heure chez toi? Oui, mince, où avais-je la tête? Bien, on se le demande. Hein. Puis 7h en mars. Il est 1h du matin là? Ouah, d'accord, ok. Ouais, je comprends forcément du coup. Que tu as envie d'aller te coucher. Ah? S'il te plaît, please. Heure de décalage horaire, what? Ça se dit pas?
Enfin, je pensais que ça se disait. RT. J'écrirai un tweet en ton honneur. On va essayer de pas mourir ici, voilà. Voilà, j'ai agrippé le plafond. Comme ça, on est bien sûr de pas mourir. Même si je voulais pas l'accrocher. Ça aurait été bien de pas l'accrocher. Ok, donc faut vraiment bien être au milieu quand même. Ouais, ça se fait redite, mais bon. Tant que ça se dit, moi je ne m'inquiète pas. Voilà, ça s'est passé. Intéressant. Ok. Bon, pour le moment, on est arrivé jusqu'à la fin du niveau 6 sans mourir. Tu vas arrêter de chipoter. Ça y est, Mille se révolte contre Zigui. Des émeutes Franker Faizy, je sais pas. Je suis pas méga saucé pour en être. C'est surtout qu'il faudrait que je commence à chercher comment faire, et j'ai un peu la flemme. Et ça se trouve, vous allez me dire, ah, c'est facile, il suffit de faire ça, ça, ça. Et moi, je vous dirais, ouais, mais il faut le faire. Ça se fait pas tout seul. Hein. Voilà. Jean-Michel Feignasse, c'est moi. Bonjour. Alors on va pas faire les fast trots ici. Hop. Hop. L'homme qui ne connaissait pas les fast trots. Je suis en avance. Ah bah du coup j'ai dû mourir quand j'ai tenté la fast trap sur mon PB. C'est magnifique. Même sans faire de fast trot, j'arrive à passer en PB pace. Ça, c'est beau. Et... J'ai failli m'écraser, j'ai eu peur. Ça prend genre 2 minutes. Voilà, je savais qu'ils allaient s'exciter. Tu fais ajouter. Oui, bon, hein, ça va, hein. On se calme. Non, mais oh. Vous savez, c'est pas facile tous les jours, hein. On fait ce qu'on peut. Ouh, c'était risqué là, c'était dangereux. Je me suis fait un tout petit peu peur. Okay.
Alors on va pas faire le premier cycle. Ce serait dommage de reset au bout de 30 minutes. De toute façon là c'est déjà trop tard, je suis déjà en retard sur le cycle. Ok. Que ce soit pas facile tous les jours, pourquoi pas, mais un jour de temps en temps ça pourrait être bien quand même. Ah, je sais pas, je sais pas. C'est compliqué. Cette question est difficile à répondre. Sinon le respect c'est pour quand? Eh bien c'est pour demain. Jamais! Je me laisserai pas faire. Hop. Tac. Voilà. On va y aller tranquille, on va passer par le bas. Hop. Voilà. Tac. Tac. Hop. On tue les deux. Pas besoin de tuer les taureaux. Là, on va faire 3 sauts pour être tranquille. Voilà. Faire des gauches droites quand il y a deux murs jaunes, ouais, c'est souvent plus rapide. Truc de gueudin. Comme dit Millet, tu mettras moins de temps à rebondir de l'autre côté que du même côté. Alors, le niveau du vent.
Ok, il en reste encore une. Attention là, faut faire des petits sauts. Hop, là on saute tard. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Ok. J'aime bien les commentaires de Tifa en run. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va prendre des backups? Ah! C'est un tuto. Salut Ganon! J'ai pas son pibi sur le 100%? Comment ça t'as pas? Ben Vlad. Ah là là, Vlad il est méchant. Hein. Je dirais pas tout ce qu'il a dit parce que ça se fait pas. Mais voilà. C'est chaud. Allez, tac. On fait pas le saut ici. Là, ça se fait bien. Oh purée! Je vous avoue que j'ai eu un peu peur sur ce saut. Qu'il est mille. Tout va bien se passer. Ok, on a fait plus de la moitié là. C'est un peu impertinent de dire bonjour à Watt. Millet, il est pas gentil. Oh là là. Le niveau 13, je suis désolé Vlad, mais tu vas être déçu. Tu vas être déçu de moi. Je te l'annonce en avance. Ah, j'aurais pas eu le côté, tant pis. Désolé Vlad. Des os, pas des os. C'est un peu dangereux ça quand même. Hein.
Ok. C'est qu'ils vont profiter pour faire world record. Non, je pense pas que ça sera faisable comme ça. Il y a peut-être trop de fast trad que je fais pas. Où sont les strats? Je croyais que je crachais quand on les faisait pas. Ah, ben c'est parce que j'ai la nouvelle version. C'est celle qui crache pas. Ça, c'est bien. Après, juste ne pas mourir, déjà, c'est ne pas perdre beaucoup de temps, hein, finalement. Parce que les morts peuvent être très punitives dans ce jeu. Sauf si tu meurs à 1 cm du checkpoint. 1 cm du checkpoint en l'ayant dépassé, je précise. Sinon, on va me dire, ouais, mais c'est 1 cm avant. Bah ben là, tu perds beaucoup de temps. Hein. Attendant la fin du train. C'est bon, moi c'est passé. Mourir, c'est un truc de sac, exactement. Yuganon, la voix de la sagesse. Le dernier? De quoi tu parles? Vite! Vite! Vite, 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 vite. Ok. Je me sens rassuré maintenant, ça va mieux. J'ai eu un peu peur. Ah, le dernier trigger, c'est juste pour le splasher qui est sur la plateforme. C'est pas pour arrêter le train. C'est normal. Dernière patate. Ça fait peur, oui. Ok.
Pour le moment, c'est un deathless, ouais. Pour le moment, c'est un deathless, ouais. Je me répète, mais... C'est plus parce que je commence à stresser. Autre chose. Des endroits qui vont vraiment être horribles. Dans les derniers niveaux. Il va falloir prendre son temps, je pense. Genre ici, je pense que je vais prendre mon temps, genre ici. Hop, hop. Voilà. Ici, c'est dangereux. Là actuellement oui je joue City. Pour le moment c'est un deathless. Oula. On va dire qu'on va passer par en haut. Normalement il fallait passer en bas, je me suis trompé de chemin. Je voulais pas aller en haut, tant pis. C'est grave. Désolé, plat des os. Alors désolé si je lis plus beaucoup de chat, mais vraiment je me concentre pour cette fin. Je me suis fait tellement peur. On va essayer de pas s'écraser avec la porte, ce serait cool. Merci. Ok, on respire un peu. Si, si, j'ai eu le chat, mais très rapidement et j'avais plein de questions. Eh bien, pose-les. Je les répondrai quand j'aurai le temps. Je suis deg. C'est pas grave. On est en PvP pace, on va continuer. On va faire comme si rien ne s'était passé. Ça va nous entraîner pour la suite. Ah, je suis un peu deg.
Quelle erreur de décision making. Ah là là. Je suis triste. C'est pas grave, prochaine fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Aïe aïe aïe! Tu fais, il a changé depuis Resident Evil 7? Pourquoi? Voilà, c'est ta faute, Vlad. C'est parce que tu es parti, donc je n'ai plus senti le pouvoir de l'amitié. Et du coup, je me suis senti obligé de mourir. Mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen de PB, rien n'est perdu. Bon, on peut repasser sur des strats un peu plus rapides. Allez! J'avais pas le bon cycle, j'ai bien fait d'attendre. Ah putain, ça pue par contre. Ça pue. Quoique. Non, c'est bon. C'est bon. Eux, ils sont bien phasés. Ah là là, dommage, dommage. C'est pas grave. C'est le mauvais karma à cause des strats du 13. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Oh là 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 là, je me fais peur. Je me fais peur. Cet endroit, il doit être horrible à faire aussi sans. En deathless. Enfin, pour le deathless. Ok. Il reste deux niveaux. Ah, c'est dommage, tain, si j'ai qu'une seule mort, c'est vraiment dommage de mourir comme ça. Passe pas loin avec.
first cycle, c'est bon. Oh! Bon, pas de regret pour l'autre mort du coup. C'est bizarre cette mort par contre. Et là, ça s'est pas passé longtemps. Comment ça se fait? Doucement. C'est pas le bon Jean-Mi. Ouais, ça passe. J'étais proche du truc vert. Mais ça passe. On va tenter. Ok, on va pas tenter. J'ai compris le jeu, j'ai compris, on va pas tenter. Bon, je sais pas si j'ai gagné du temps par rapport à l'ascenseur, mais c'est passé. J'ai dit que je tenterais pas et j'ai tenté. Du coup, ça me fait 3 morts. La piqûre! C'est pas très gentil ça. Meilleur moment du jeu. Moi je l'aime bien. Hein. Moi y a pas de souci. C'est pas des légumes. Et ouais. Et toi, tu n'aimes rien. Comme ça, toi et moi, on fait la paire. Non mais oh.
Le début de la fast track, je la fais mal. Je la fais mal. Il y a peut-être moyen de faire mieux que ça, je pense. Mais bon, ça passe. Donc on va pas se plaindre. J'ai gagné une seconde en faisant pas forcément très bien au début. Donc il y a vraiment du temps à gagner. Enfin, il y a vraiment moyen de... Enfin, ça fait gagner du temps par rapport à l'ascenseur. Ça, c'est sûr. Et voilà. 3 morts, du coup. 41-54. Bon, bah c'est un PB. Du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas les fast-trades du début.